Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ô combien important dans le contexte d'aujourd'hui, l'administration numérique. Tout d'abord, de quoi s'agit-il ? Alors, l'administration numérique, dans sa définition, est la prestation des services publics aux usagers par l'adoption d'Internet et des technologies de la communication. Cette nouvelle administration présente des enjeux essentiels. En effet, les impacts de la e-administration, comme on l'appelle aussi, sont nombreux. Tout d'abord, une rapidité des démarches administratives qui, de facto, rend la tâche plus facile pour les citoyens. Deuxièmement, une efficacité, une fluidité accrue. Donc, on parle de moins de temps perdu, donc plus de démarches effectuées, ce qui représente pour les entreprises beaucoup moins de charges. Car le temps dans une entreprise est une ressource. Enfin, le contexte actuel de la COVID-19 a aussi imposé le développement de l'administration numérique. En effet, l'e-administration limite de facto les risques et devient indispensable dans ce contexte particulier. Ces enjeux ont d'ailleurs été pris en compte par le gouvernement marocain, notamment dans le lancement de la plateforme numérique Watiqa.ma, où il est possible de faire la demande de papier administratif en ligne. Pour rappel, cette transition est une prérogative de l'Agence du développement digital, qui a pour but d'atteindre une interopérabilité des plateformes digitales de l'administration marocaine et ainsi rapprocher les usagers de l'administration. Un enjeu de taille, on le sait, car l'administration marocaine a rebuté les citoyens marocains au fur et à mesure des années au vu de sa lourdeur et de sa non-fluidité. Maintenant, il est aussi important de rappeler que l'administration numérique présente aussi des risques. Étant digitale, la cybercriminalité peut cibler cette nouvelle administration. C'est pour cela que cette e-administration devra mettre en exergue un système de sécurité le plus inatteignable possible afin de sauvegarder des données ô combien sensibles. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.